Inch'Allah ta'ala, aujourd'hui les frères et sœurs, je vous ai apporté un secret pour faire obéir une personne à vos désirs. Maîtriser la personne, maîtriser son cœur, ses pensées. Se faire aimer et obéir de gré ou de force, Inch'Allah ta'ala. Si vous faites ça à une personne, la personne va vous obéir sans aucune réflexion. La personne ne va écouter autre à part vous, Inch'Allah ta'ala. C'est un secret que je donne pour les gens qui ont des problèmes avec leur femme, pour les gens qui veulent vraiment que leur femme soit normale, que leur femme les obéit, comme Allah subhanahu wa ta'ala le veut. Une femme doit obéir à son mari, si bien sûr le mari est sur le droit chemin. C'est valable également pour les femmes qui ont des maris qui ne les respectent pas, qui ne les considèrent pas, qui ne les donnent surtout pas de l'argent. Les maris qui courent à la rue, qui font du n'importe quoi, je ne veux pas entrer dans des détails. Peu importe votre situation, vous pouvez utiliser ce secret pour régler définitivement votre problème de couple. Alors, avant tout d'abord, il faut avoir un cola, un gros cola comme ça. Ça doit être un cola blanc, ça peut aussi être cola rouge. Mais moi, je préfère les colas blancs, je travaille beaucoup avec les colas blancs. Ce que vous voyez là, c'est un carré du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Qahhar. À l'intérieur, vous avez les lettres de Jami'un, le Jioun, le Alif, le Mim et le Kat et le Aynoun. Donc, vous écrivez ça textuellement sur un bout de papier. À l'intérieur ici, vous mettez votre nom et votre prénom, le nom de votre maman et son prénom en haut. En bas, vous mettez le nom et le prénom de la personne ainsi que le nom de sa maman. Puis vous pliez, comme je suis en train de le faire. Déjà, vous avez déjà ouvert donc, les deux parties du cola. Vous mettez le papier à l'intérieur. Il y a des fils traditionnels donc, qui est disponible partout, je pense bien, qu'on appelle ici pocket. Il y en a d'autres qui l'appellent le falay. Donc, ce sont des fils de coton. Donc, vous devez avoir une fil coton. Vous enroulez, vous enroulez, vous enroulez, vous enroulez, vous enroulez, jusqu'à ce que ça soit très dur. Vous prenez ça et vous l'enterrez à la bordure de mer. Donc, là où il y a la mer, vous l'enterrez à la bordure. Plage ou bien quelque chose comme ça. Puis il y a un zikr à faire durant 3 jours. Le zikr c'est quoi? Vous faites d'abord Astaghfirullah 100, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim 100. Vous faites Ya Qahharu 798 et vous faites Ya Jami'un 2142. Vous faites ça au bout de 3 jours, Inch'Allah ta'ala. Tel était réuni ces deux morceaux donc de cola. Les deux personnes vont être réunies comme ça et ne pourront jamais se séparer, Inch'Allah. Barakallah fikoum, c'était le secret d'aujourd'hui. Merci.